Donc, l'idée de cette étude, c'est de d'évaluer le pourcentage de cas où l'analyse d'image préalable à l'analyse des images par le clinicien va apporter un choix différent, c'est-à-dire où finalement la conclusion du clinicien qui aurait dit bon bah les IRM sont stables, il n'y a pas de modification. Quand on a l'analyse Pixyl et qu'on voit des nouvelles lésions, qu'on va pouvoir dire bon bah ça c'est un artefact, ça c'est un artefact. Ah oui, ça c'est une nouvelle lésion que j'avais pas vue et ça va modifier ma prise en charge du patient. C'est vraiment un critère très très fort qu'on a mis. Et ben ça va être quelque chose d'utile. Donc on a dans ce PHRC des IRM à baseline, à 3 mois, à 12 mois, à 24 mois, c'est hyper standardisé. Il y a 316 patients en France. On a pris les 20 premiers patients du CHU Nîmes qu'on avait inclus dans l'étude et les analyses sont en cours justement pour identifier ces nouvelles lésions.